Yo les potos, c'est Kemax. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver de nouveau pour. Là, je crois que c'est la troisième vidéo explication d'une tech d'achat-revente. Je vois que ça vous plaît bien, j'ai de bons retours. Donc, pourquoi pas continuer? Cette fois-ci, je vais vous expliquer la tech 59. Tech un peu différente parce qu'elle est moins technique que les autres. Et là, c'est vraiment du bénéfice instantané. Donc, je vais vous montrer exemple sur Marco Verratti. On va voir, il vaut combien. Ok, il n'y en a pas à 2008, il n'y en a pas à 2009, on va voir à 3000. À 3000, il y en a. Donc si on veut qu'on parte immédiatement, faut le vendre à 2009. Donc avec la tech et tout, on va dire 2007. Et pour faire un bénéfice, on va mettre environ à 2004. Et ici, vous allez spammer, vous allez faire comme ça, 2003, 2004, jusqu'à que vous en trouvez. Moi, là, probablement, je vais pas en trouver. Pourquoi? Parce qu'il est... on est un mardi, il est 12h, il n'y a personne sur sa console pratiquement. La plupart sont en cours, que ça soit ici, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. À cette heure-ci, la plupart des gens sont en cours. Donc, je vous conseille surtout de faire cette tech les jours de semaine, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, après 17h. Là, tout le monde est rentré. Quand il y a des packs, faut vraiment la faire parce que les gens listent moins cher. Et après, le week-end, vous pouvez la faire n'importe quand. Donc là, imaginons, hop, 2002, on chope un Verratti. Vous allez le revendre 2009, il va partir, vous verrez instantanément dans les 5 secondes qui suivent. Et là, ça vous fait un bon petit bénéfice. Je vous conseille de faire cette tech à partir de... Bah, en fait, n'importe quel crédit, à partir de 3000 crédits jusqu'à 50 000 crédits, vous pouvez en faire après. Vous pouvez faire sur de plus grands joueurs, je sais pas, je vais prendre Thiago Silva par exemple. On va rester dans le PSG. Allez, Marcelo, sans faire exprès, j'appuie sur lui, on va y voir. Marcelo, donc le défenseur gauche du Real de Madrid, on va aller voir. Il vaut à peu près combien? Il y en a pas 6009, donc là vous augmentez. Et surtout, pour cette tech, faut pas perdre espoir parce que pendant 10 minutes, vous n'avez pas chopé de joueur. Après, en 5 minutes, vous allez en choper 5. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faire la tech 650, les autres techs et tout. Genre jusqu'à qu'il vous reste 2000 crédits. Après, avec 2000 crédits, vous faites la tech 59. Donc voilà, Marcelo, on a vu, ils ont 5007. Ok, 5006 si on a un. Donc faut le revendre 5006, 7006 pardon, si on veut qu'il parte. Donc on va essayer de le choper aux alentours de là. Bon là, je vous ai dit, on n'est pas à un moment stratégique de la journée, je vais pas en choper, mais c'est vraiment histoire de vous expliquer. J'ai déjà fait cette tech parce que c'est, j'ai commencé avec ça. J'avais 5000 crédits, j'en ai fait quoi, c'est 80 000, 80 000 en une, on va dire 50 000 en une semaine peut-être. Non, ah, plus 6 francs, c'était pendant les vacances, ouais, on peut dire 100 000 la semaine si on la fait bien, parce que vous faites environ un bénéfice de 700 sur chaque joueur. Si vous arrivez à en vendre 100, bah ça vous fait 70 000, ouais, donc on peut partir sur du 100 000 par semaine. Moi je dirais, si vraiment, pendant période de vacances, vous pouvez faire large les 100 000. Après, si vous faites 2 heures par jour de celle-là, je sais que vous n'avez pas forcément le temps avec les cours et tout, c'est pour ça que moi, celle-là, je la fais vraiment que quand j'ai le temps. Surtout pendant les vacances, en 2 semaines, vous faites les 300 000. Et aussi les gens, là, vous voyez, je spam depuis un moment. Là, hop, je m'arrête. Ou je sais pas, vous allez faire autre chose, vous allez vendre votre dans vos équipes et tout. Et vous recommencez qu'au bout de 3 minutes. Pourquoi? Parce que, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer l'exemple, mais si vous spammez comme ça pendant, je sais pas, 5 minutes sans s'arrêter, bah vous allez être banni du marché des transferts. Et après, je crois que c'est aléatoire. Vous pouvez revenir au bout de 3 heures, de 4 heures et tout. Donc voilà. Donc les gens, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Les conseils d'achat-revente, vous pouvez me poser la question dans les commentaires, je suis pas un expert mais je sais me débrouiller. Si vous voulez que j'explique d'autres techs, n'hésitez pas à me le demander. Voilà les gens, merci de votre visionnage, c'était Kemax, peace.